Coucou, j'espère que tu vas bien. Ancienne config, on n'est pas à la maison. Ok, regarde, on te parle d'enlever le voile d'illusion face à ce que tu refuses de voir. Qu'est-ce que ça peut être? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu m'entends bien parce que pour le coup, il fait hyper chaud. Il y a le ventilo qui est juste derrière. Bon, pas vrai, pas véritablement. Super bon son. Ok, c'est une. D'accord. Bon, attends. On te demande de faire voyage seul. Le voile de l'illusion, c'est aussi d'accepter l'impensable, l'inaccessible. Et on te parle de messages. Ça peut être des synchronicités, comme ça peut être le message d'une personne qui va t'apporter de la lumière. Moi, en premier plan, on est clairement sur arrête de te voiler d'illusions par rapport à ce que tu vibres avec la personne de ton cœur. Et qu'on te demande simplement de faire voyage seul. Alors, faire voyage seul, tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi? C'est accéder à ton plein pouvoir, c'est accéder à ta créativité, c'est aussi accéder à l'amour inconditionnel que tu dois apporter avant tout pour toi, pour qu'ensuite tu puisses l'apporter avec sincérité à l'autre. Dans le sens, arrête de te voiler d'illusions, de penser que c'est une relation lambda et que tu n'as rien besoin d'aller travailler. On te dit que tu te trompes, c'est pas le chemin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, regarde, avec trois cartes, j'arrive à te déterminer qu'à partir du moment où tu acceptes de faire voyage seul, ça veut dire de te mettre en marche, de travailler tes blessures, tes blocages profonds, mais aussi surtout tes peurs profondes, en lien avec le rejet et l'abandon. Tu verras que dans les énergies, parce qu'on travaille beaucoup quand même dans les énergies, parce que dans la matière, on ne voit pas trop notre autre, tu vas recevoir un message, soit un message via tes rêves, soit une synchronicité, soit un message de tes guides, ou bien on peut être aussi sur le message clairement de la personne de ton cœur. C'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup de lumière, qui va te dire, regarde, tu vois que tu avances dans le bon sens, et quand tu avances dans la bonne direction, tout se met en place. Je veux dire que peut-être c'est le fait de faire ce premier pas et de lâcher ce lien. Écoute tes ressentis. Tu as tendance à ne pas trop t'écouter, à pas écouter ce qui vibre en toi. Mais j'ai envie de te dire, il n'y a rien qui te l'interdit. On ne fait pas le deuil de la relation, clairement pas. Bon, pardonne-toi. Il va falloir que tu te pardonnes pour pouvoir accéder à ce qui t'est réservé. On sent que tu es peut-être actuellement dans une période un petit peu compliquée, un petit peu douloureuse. Oui, tu n'arrives pas à passer à autre chose malgré le fait que tu aies essayé maintes et maintes fois. Ce que tu vibres avec cette personne, tu ne le vibreras jamais avec personne d'autre. Pardonne-toi peut-être d'avoir été dur dans tes mots. Alors tu vas me dire, oui, mais l'autre aussi. Là, je te parle de toi, je ne te parle pas de l'autre. Et c'est hyper important que tu l'entendes. Et oui, on est attirés l'un à l'autre, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense. Ça, c'est se rendre à l'évidence que de toute façon, vous êtes liés l'un à l'autre malgré tout ce que tu peux imaginer. On ne te demande pas d'être dans une relation par sacrifice, on te demande d'être dans cette relation parce que tu as clairement envie et que tu n'es plus du tout dans ces sensations sacrificielles. Dépendance affective, tes peurs profondes, bien entendu, mais l'autre aussi, hein, il vient toujours en résonance par rapport à toi. Et oui, il pense à toi. Il pense à toi, mais on te demande de laisser le temps faire. Aller guérir ces blessures transgénérationnelles, aller guérir tout ce qui te bloque toi-même, ne serait-ce pour avancer. Ouais. Tu sais pas du tout à quel saint te vouer. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Et tu vois, tout à l'heure, celle-ci, elle est ressortie où je t'ai dit, arrête de te voiler la face, arrête de te voiler d'illusions. C'est une nécessité. On n'est plus sur optionnel, on est véritablement sur. Prends en compte que plus tu te mettras en place, plus tu avanceras pour toi et plus l'autre aussi se mettra en action. Mais ça peut clairement, et pour le coup, étant passé par là, je te le dis, quand tu te mets véritablement au travail, tu as des messages de l'autre. Tu t'y attends pas. Ça t'apporte énormément de puissance, de lumière et ça te donne encore plus la niaque. Oui, vous arrivez pas, vous n'arrivez pas à avancer l'un indépendamment de l'autre. Il restera toujours à l'intérieur de toi, tout comme tu resteras toujours à l'intérieur de lui. Mais encore faut-il que tu prennes conscience de cette valeur que vous êtes attiré. On ne se met plus dans une relation par sacrifice, mais simplement parce que je désire être avec toi. Il y a des pensées qui sont partagées des deux côtés, et ça depuis très longtemps.
depuis peut-être la première fois où vous êtes vu même d'ailleurs. On voit qu'il y a encore des blessures à travailler et arrête d'être dans l'illusion parce que vous ferez le choix du cœur, le choix de... La fusion, c'est l'engagement. Vous êtes déjà engagés tous les deux. Ce contrat, il a déjà été acté dès que vous vous êtes vus. Ce contrat, il a déjà été fait avant que tu t'incarnes même d'ailleurs. Et on te demande de renaître pour accéder à l'abondance, quelle que soit la sphère. Oui, c'est douloureux en ce moment. Oui, c'est compliqué. Oui, tu te poses 20 000 questions. Ben, mets-toi en chemin, mets-toi en route et tu verras que les choses seront... Oh, regarde comme c'est beau. Les choses se mettront en place malgré tes doutes et malgré tes peurs. Il y a de l'amour. Oui, c'est compliqué. On voit bien que ton autre, il apparaît pas véritablement là dans ton tirage. À part pour certains, une prise de communication. En tout cas, il y a quelque chose dans ce sens-là. Ou pour te dire, comme je te l'ai dit, que tu mets les choses en place et enfin, il avance avec toi. Mais en tout cas, on est vraiment en train de te dire action, action, action. Et tu verras que tu l'auras, le message de la personne de ton cœur.